parcourir 240 km en deux nuits. Mais ce soir, ils ont un adversaire formidable. La pluie. Oh, it's raining. Le danger s'écrit en toutes lettres. Oh là là. Maman mia. Gendarme. Agent. Il ne faut pas moins de 30 ans de gardien. Airbus 380. They will assemble in Toulouse. Mais aussi des panneaux. Il faut faire place nette avant l'arrivée des camions. Pour nettoyer la route. Ah ouais, parce qu'il passe juste ici, donc on ne passe pas dessus. Voilà, nous on est les éclaireurs. On regarde tout ce qui jette devant, les véhicules, les panneaux. Rien ne doit troubler le spectacle de l'A380. C'est des Airbus. On vient parfois de toute la région pour le voir. Sur les bords de route. You see, they make video games. They pull. Comme dans les villages. Deux fois par mois, on se place aux premières loges. Two times per month. Sans se lasser. It's for me, they carry that? No. Un parcours. Quand on le voit passer, c'est vraiment so big. Ça passe parfois au millimètre dans ces petites communes du Gers. Oh là là. Wow. Malgré la pluie, les premières difficultés sont franchies sans dommage. It's also a wings. That's the wings. Ah, the two wings. Après quelques heures de repos sur une aire aménagée, ils gagneront Toulouse la nuit prochaine. Ces derniers kilomètres seront les plus durs pour rejoindre le site d'Airbus, la plus grande usine de France. Elle s'étend sur 700 hectares. 700 hectares. Plus grande qu'un arrondissement de Paris. Les pôles industriels dessinent cette ville dans la ville, à Toulouse. Le berceau historique de l'aviation civile depuis 50 ans. In Toulouse, from Germany, from Frankfurt, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, ah, des frères, en France, but all come together in toutes les pièces des avions de la famille Airbus convergent sur Toulouse par mer. Ah non 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 non, c'est trop de monnaie encore, hein. Tout à l'heure, ok. Bien sûr, à travers les airs. Look at the carrier of the other. De ces avions cargo, look, look. En rotation permanente. Mm. Imagine. Les avions, ils tournent 14-15 heures par jour. C'est un gigantesque mécano pour lequel s'activent 50 000 personnes chaque jour. 50 000 people sortent chaque année. Près de 700 avions. Mesdames, messieurs, ici votre commandant de bord. Ces appareils qui vous transportent à l'autre bout de la planète ou de l'Hexagone. Nous allons vous faire vivre de l'intérieur les conditions dans lesquelles ils sont fabriqués. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi des membres de la famille Airbus. De production donne la cadence. Pour pas qu'on prenne l'avion sur ce système, il est crucial pour nous. Thierry est pilote d'essai. Depuis 15 ans, il teste tous les modèles. Cet A380, j'ai à peu près entre 5 et 600 heures de vol. Et puis il y a les petits derniers, les jeunes du lycée professionnel d'Airbus, comme Johanna qui a quitté ses Pyrénées pour vivre l'aventure aéronautique. Ou Charlie qui rêve de toute une carrière chez l'avionneur. Tu m'accroches ? Ici, 10 années de travail sont assurées. Mais ça, il faut voir, hein ? De la firme aux 1000 milliards d'euros de commandes et de son XXL. Il est 5h30 quand le maître des clés pénètre dans la cathédrale industrielle. L'heure du réveil pour ces géants des airs. Tous les matins, Sylvain Dosé a besoin de ressentir les vibrations des avions. Avant non, c'est pas moi. Ah, commencez pas, hein. Non, mais il va devoir. Commencez pas, hein, ça va pas marcher, hein. Ça me permet de faire le tour du poste en termes de sécurité. Tout à l'heure, j'ai ramassé une feuille de papier, vérifier qu'il n'y a rien qui traîne, parce que directement, ce sont des morceaux de plastique. Non, non, tu es sous verre, il fait bon là, ok. Se retrouver dans l'avion, et
français, ça peut devenir ce qu'on appelle un camp étranger et qui pourrait porter préjudice à la machine. 500 mètres de long, un hangar hors norme, haut comme un immeuble de 8 étages. Sylvain gère le dernier atelier avant la sortie d'usine des appareils. Là, il manque une protection. Il a fait toute sa carrière sous les avions. Un bébé Airbus formé au lycée professionnel de l'avionneur européen. D'abord technicien sur la chaîne. Aujourd'hui, j'arrête de crier, tu ne peux pas venir d'un côté ici. Au moment, à plus de crier. Viens ici, demander quelque chose qu'il veut. Arrête de crier là-bas. Oh. Il est sous le line. Toulouse se transforme en Airbusville. Sur la rocade, impossible de rater la sortie menant à l'usine. C'est la file qui avance au pas. Ça vous chauffe toujours comme ça, Toulouse? Yeah. C'est un aller incessant. En voiture. Chaque jour, avec les avions en point de mire, 50 000 personnes se pressent pour franchir les portes des 6 usines d'Airbus. Des workers de Airbus. Tous contrôlés avant de pénétrer dans la vie d'avion. J'ai annulé les permis. Je suis à 9h30 déjà. Bonjour. La moitié du défilé est sous les couleurs d'Airbus. Les autres appartiennent aux sous-traitants, regroupés aussi sur le site. Et c'est sans compter les fournisseurs, l'entrée la plus sensible. Par peur des attentats ou de l'espionnage industriel, ça, c'est trop, ouais. Chaque chargement est contrôlé ouais, un par un. Allez, bon, merci. Bonne journée. On a environ 13 000 véhicules de, en moyenne. Qui c'est qui va pas? Soit 650 fournisseurs par hein jour. On fait pas ce que c'était, il n'y a aucune raison là. Hein. On retrouve Sylvain, accueillant les 50 employés sous ses ordres. Ici, on les appelle les compagnons. Moi. Tous parlent l'arbusien, la langue technique. Ça marche, c'est small. C'est parti pour 10 minutes. Oui, bref possible. Réservé à la 1300 techniciens sont à l'œuvre sur des kilomètres de terre, des centaines de milliers de rivets, de la carlingue aux ailes, c'est une ruche qui est en ordre de marche. Sous la queue de l'appareil, Sylvain veut surveiller de près un petit micro de technologie. Non. 90 minutes pour un petit moteur de 500 kg. La PU, c'est la batterie auxiliaire qui alimente l'avion en électricité avant le décollage. Une batterie.